Je prendrai quelques passages. Pas besoin de dire d'où ça vient. Achetez les livres après. Et oui, il y avait aussi un dieu à remercier. Mais il était parti. Il n'était plus revenu dormir au Rwanda. Non. Au moins pas pendant les 3 mois de la tuerie. Il avait entendu ça d'un jeune homme de nombreuses années en arrière, dans les camps au nord. Il était lui aussi rescapé des massacres, le seul de toute la famille. Il avait cité l'ancien proverbe selon lequel, même s'il passe ses journées ailleurs, Dieu revient chaque nuit au Rwanda. Où est-il? Où peut-il bien aller? Demande le jeune homme à sa mère un soir où il était venu leur dire au revoir avant de repartir vers le sud. Ils étaient assis sur des troncs d'arbres à côté du bâtiment qui leur servait de refuge. La mère avait longtemps regardé, mais elle n'avait pas répondu. Ils furent tout de même abattus. Et cette fois-ci, on n'avait pas épargné la bande. Y como se enamora tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Siendo afligido a tanto despotismo que encarnece en su infamia, deja que previsor encamine mis pasos hacia el remoto espacio de luz abigarrada donde brillan aún las últimas estrellas y construya con ellas por nuestra salvaguarda un refugio compacto donde no quepa el odio, los vientos alados de guerra desatada que soplan inquietantes desde tierras del norte y anticipan la muerte para la raza humana. Insto a los seres buenos y a las almas puras a limar diferencias mediante la palabra. Búsquese la manera de convivir unido. Rechacemos con fuerza la sin razón diaria, sea la dignidad patrimonio del mundo y cese la bandera de la paz solitaria, porque sin compasión la humanidad se viene. Los hombres.